Bien-aimé dans le Seigneur, moi salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth matin. Nous disons bon Dieu merci parce que il ben nous opportunité pour nous capable avec vous encore une fois. Nous souhaitons une très bonne semaine. Et sujet nous pour matin, c'est Jésus est un souverain sacrificateur éternel. Jésus est un souverain sacrificateur éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, qui ça veut dire un souverain sacrificateur? On a regardé qui ça un souverain sacrificateur yeah. Longtemps sacrificateur yo était sorti dans race moun Lévi yo était là pour être capable à offrir sacrifice pour peuple là le peuple a péché à genou sacrificateur amen pour offrir un sacrifice à Dieu pour capable joindre pardon pour péché yo. Mais sacrificateur ça c'est un homme qui te connait péché tout avant même lui offrir sacrifice là pour monde qui vient côté là faut pour peuple là faut lui même lui offrir pour tête lui tout et puis pour le capable offrir pour peuple là. Mais Jésus lui même amen alléluia souverain sacrificateur ça qui là pour tout temps il pas besoin ça. C'est ça qui fait nous parler dans Hébreux chapitre 7 qui tellement un bel passage que moi mais en pile les fait bien m'a partager li avec vous matin. Alors bon Dieu mettez le soutien nous pour partager avec vous. N'a commencé li dans verset 21 hein. Ou pral voir réellement comment est la parole de Dieu fait nous connaître souverain sacrificateur ça, li là pour tout temps. Amen alléluia. Elle pas là comme ça son serment qui permet de capable demeurer souverain sacrificateur pour tout temps. On regarde dans verset 21 Hébreux chapitre 7 quand on dit que les lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Amen parce que nous c'est mon lévite, mon race lévite qui était comme sacrificateur, pas bien l'autre race qui était capable d'être sacrificateur. Les pendant que mon ça yo était comme sacrificateur sans serment, il dit Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. La parole de Dieu fait nous connaître que Jésus, lui, c'est un souverain sacrificateur avec serment. Les vitiers ont été sacrificateurs sans serment, mais Jésus avec serment. Qui serment? Serment dit que, amen, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, là, qui moun l'ité, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit, nous, dans le même chapitre 7, là, regardez dans le verset 1er, Melchisédek, c'était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Abraham, t'as le goumen avec quelqu'un, l'ité battu, l'œil sauté dans le goumen, hein? Eh bien, l'ité bail dim à Melchisédek, ça, tout dit que bay dim dans tout ça que il t'a gagné après guerre là c'est de Melchisédek ça parlait et dans verset d'a yo dit qui est ça Melchisédek ça yo dit que amen alléluia Melchisédek qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est-à-dire roi de paix amen on va raconter qui est ce qui Melchisédek là Melchisédek là c'est un monde qui est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de Dieu ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité yo explique au qui monde sacrificateur est li pa gen maman li pa gen papa li pa gen commencement li pa gen fin et c'est lui même yo dieu qui mettait Jésus comme sacrificateur souverain sacrificateur amen éternel selon l'ordre de Melchisédek qu'on se raconte là là et ben Jésus c'est souverain sacrificateur à perpétuité pour toujours. Et puis, dans verset 22, il dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Ça veut dire, Jésus, c'est une monde qui garantit, nous, hein. Si vous regardez dans verset 22 en créole, comme ça avec Jésus, ça va nous garantir, nous avons l'autre contrat avec bon Dieu qui est bon passé premier. Ça veut dire, longtemps, selon la loi, c'est un autre bagaille d'été, mais je ne veux dire, amen, avec Jésus-Christ, amen, amen, il est plus bon pour nous, gloire à Jésus. Il dit comme ça, longtemps t'es gagné en pile sacrificateur dans verset 23 dit longtemps t'es gagné pile t'es gagné sacrificateur pas capable rester permanent pour qu'il soit pas capable de permanent parce que amen la mort t'est empêché rester permanent mais il dit dans 24 là mais lui parce qu'il demeure éternellement
et à parler de Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça veut dire, ministère Jésus, alléluia, alléluia, le fait qu'elle soit souverain sacrificateur, lui-même, puisque lui-même, la pour toujours, la éternellement, eh bien, mission ça, ministère ça, Jésus gagne, hein, lui pas transmettre, lui pas transmissible. Amen. Lui souverain sacrificateur à toujours. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus lui-même, lui toujours là pour lui intercéder en faveur nous. Là toujours là. La Bible dit là toujours là, parce que le pape Jean mourit. Le fait que la vive pour toujours, eh bien là toujours qu'à intercéder pour tout le monde. Amen. Alléluia. Qui a vite, qui vit de côté. Amen. Qui a le côté bon Dieu par Jésus. Depuis son monde, qui a le dit bon Dieu par pardonnez-moi, non, Jésus. Eh bien, amen, alléluia. Ou abjoue une pardon pour péché, parce que Jésus l'a pour toujours, l'a toujours intercédé pour moi-même, pour vous-même. Seulement, il suffit que vous jouez, mon Dieu. Alléluia, non, Jésus-Christ. Mais verset 26, il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Amen, lui bon, amen, alléluia, pour nous go sacrificateur comme ça, amen, alléluia, c'est lui-même qui fait nous bien. Pour qui ça, lui dit comme ça, amen, parce que lui saint, amen, lui innocent, lui sans tache, alaha, lui séparé des pécheurs, et puis lui dit, lui plus élevé que les cieux. Amen, alléluia, lui, l'elfini, le continue dans 27 là pour lui dire, Jésus lui-même, lui pas besoin même gens, lui pas besoin faire même Jacques l'autre souverain sacrificateur pour la l'offrir chaque jour sacrifice d'abord pour péché pâle, mais il dit alléluia. Mais lui-même, il te fait une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Qui ça le fait une fois pour toutes? Qui ça le te fait une fois pour toutes? En s'offrant lui-même. Lui offrit tête lui. Lui offrit tête lui-même comme sacrifice. Amen. Alléluia. Vous devez ça dire? Jésus pas besoin de faire même Jacques l'autre sacrificateur. L'autre sacrificateur, il était comme premièrement offrir sacrifice pour tête, pour péché. Pas à ça pour offrir pour peuple là. Mais Jésus, non. Amen. Ils sont souverains sacrificateurs éternel, et puis lui-même lui sans péché, lui saint, lui innocent. Bien aimé a dit, c'est un souverain sacrificateur comme ça, au tes besoins. Et puis lui dit, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jésus, c'est un souverain sacrificateur éternel. Ou même qui besoin pour péché ou nous pardonner, il suffit que ou al côté bon Dieu, nan nom Jésus, accepter Jésus, ou ap jwenn pardon pour péché, accepter Jésus, ou ap sauver, accepter Jésus, ou ap gagner la vie, parce que lui-même, il a pour tout temps, ministère salarié comme souverain sacrificateur qui a intercédé auprès du Père pour nous. Hein? Amen. Il n'y a pas de l'autre parce que lui-même, il n'y a pas de mourir. Il est là pour tout temps. Il était vivant. L'autre sacrificateur, amen. Il était contre mourir. Il a mouru remplacé par l'autre. Il a mouru remplacé par l'autre. Il a mouru remplacé par l'autre. Chaque fois, il mourut, il mettait l'autre. Il a mouru remplacé par chaque fois, il mourut, il mettait l'autre. Chaque fois, il mourut, il mettait l'autre. Mais Jésus, lui-même, il est là pour tout temps à intercéder pour nous. Il n'a pas besoin d'offrir sacrifice pour être par là avant pour bécher par parce que lui, c'est. Amen, il est innocent, il n'a pas besoin de faire ça, mais l'autre a besoin de faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour nous sauver un sacrificateur comme ça, pour nous servir un bon Dieu comme ça, pour nous Jésus comme ça, qui a défendu cause nous. Amen, alléluia. Jour et nuit. Pour toujours. Amen. Que bon Dieu bénisse. Ou même, alléluia, qui croit dans Jésus. Continuez à croire. Ou même qui accepte déjà. Qu'est-ce qu'il fort. Amen. Ou même qui peut accepter Jésus. Acceptez-le. Et puis, alléluia, joignez mon Dieu. Non, non, Jésus. Pour que je ne pardon pour péché. Pour que je ne pardon pour péché. Avec le nom de Jésus, on sortit plus que vainqueur. Amen. Même j'ai à chanter. On t'a dit, il est un nom béni et saint. Un nom divin que nul ne pleure en vain. Il dit, de ce nom vient. Amen, alléluia, le salut des humains, le nom de Jésus précieux, Jésus, le nom de Jésus est puissant, est tout puissant. Il suffit que vous allez croire en Dieu, dans le nom de Jésus. Relève Jésus, ou dans ta carrière, relève Jésus, relève Jésus, relève Jésus, relève Jésus, le souverain sacrificateur éternel. Amen, bon Dieu béni, bonne journée avec Jésus.